Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un coffret. Alors à la fin de cette présentation, je vais proposer, vous allez retrouver un tirage avec ces cartes oracle. Alors c'est le coffret Message de vos êtres chers de Jackie Newcombe. Alors il me semble que ce coffret on ne le trouve plus. Voilà, il est peut-être d'occasion, mais à un prix assez élevé. Alors, il est aux éditions Contredire, Amour et guidance de l'après-vie. Nos êtres chers disparus ne deviennent pas soudainement des anges au sens littéral, mais ils nous protègent et prennent soin de nous, en nous envoyant des énergies positives sans interférer dans la quiétude de nos vies. Alors, il y a 44 cartes. Donc, le coffret, il se présente comme ceci. Il s'ouvre, il est aimanté. On retrouve un petit livret. Alors, ce coffret, il est en anglais également. Il existe en anglais. Donc il y a une petite introduction. Ensuite, vous allez retrouver, alors comment les personnes décédées montent au ciel? Donc, pourquoi j'ai créé ces cartes? Lorsque nos êtres chers nous rendent visite de cette manière spontanée, leurs messages et leurs motivations sont toujours les mêmes. Durant toutes ces années, traversant plusieurs générations et quelle que soit la religion ou le milieu socio-culturel, j'ai constaté que cette prise de contact a toujours pour objectif de rassurer les vivants. Voici les messages les plus fréquents qui motivent les esprits à redescendre pour nous transmettre. Je t'aime, je t'aimerai toujours, je suis avec toi. Les visites oniriques. Les supports traditionnels des esprits pour nous contacter. Donc on vous parle de rituels de protection. Comment utiliser les cartes? Signification des cartes. Donc voilà, ensuite vous allez retrouver donc les cartes numérotées. Donc la carte 1, vous avez vraiment voilà, un court texte qui accompagne la signification de la carte. La carte 2. Donc voilà, pour chaque carte, il y a un court paragraphe qui accompagne donc la signification de la carte. À propos de l'auteur. Voilà donc pour le petit livret. Alors ensuite les cartes. Alors ce sont de grandes cartes. Elles ressemblent à celles de Doreen Virtue, la même taille. Voilà, message de vos êtres chers.
Et donc voilà les cartes. Donc elles ne sont pas dans un ordre précis. Développe ta créativité, cherche des façons de construire, de grandir et de te réaliser. Accorde-toi au rythme de la nature. Accorde-toi du temps. Nous te soutenons. Ton intuition est forte. Cherche une aide professionnelle. Nous nous inquiétons pour toi, nous voulons que tu prennes soin de toi. Les oiseaux sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Essaye de ne pas t'inquiéter, nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Laisse les animaux te soutenir. Nous sommes fiers de toi. N'oublie jamais que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Laisse-nous te faire un câlin, ferme les yeux, pendant que nous te serrons fort dans nos bras. Crois en toi. Fais de la place pour cette fin heureuse, c'est le moment de saisir ta chance. Voilà donc pour les cartes. Donc pour ce coffret, message de vos êtres chers. Donc on se retrouve après pour un tirage. Alors on se retrouve pour un tirage avec donc cet oracle, message de vos êtres chers.
J'ai effectué un tirage avec 4 cartes. J'ai sorti 4 cartes. Alors prenez le temps de penser à votre défunt, à un défunt dont vous souhaiteriez un message, tout simplement. Il n'y a pas de hasard. Vraiment, pensez à votre défunt et laissez-vous guider. Écoutez votre intuition et choisissez une de ces 4 cartes, elles sont numérotées et je vais vous retransmettre donc le message qui est associé à la carte que vous aurez choisie. Alors nous allons commencer donc pour ceux qui souhaitent prendre, qui choisissent la première carte, la carte numéro 1. Donc c'est la carte « Accorde-toi au rythme de la nature, laisse-nous nous connecter ensemble ». Alors, la fréquence de ton énergie est un peu basse en ce moment. Mais tes êtres chers te donnent rendez-vous dans un espace où les énergies sont élevées, mère nature. Trouve une place que tu affectionnes dans la nature, au bord de l'eau, une prairie ou assis sous un très vieil arbre. Et tes êtres chers vont t'aider à te recharger en énergie. Détends-toi. Tu vas les ressentir à cet endroit. Ensemble, vous allez communiquer par télépathie. Voilà pour vous, votre défunt vous invite à vous relier à la nature, à sortir, aller dans la nature pour pouvoir rehausser, augmenter votre taux vibratoire, votre énergie. Voilà pour votre petite carte. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez le message « Nous nous amusons et toi aussi, tu dois t'amuser ». La fin de vie physique n'est pas la fin de la vie. Nos êtres chers ont changé de forme, mais ils continuent à exister. Et leur nouvelle vie est remplie de rire et de joie. Ils te disent « Nous avons plaisir à te voir rire et t'amuser ». Alors n'arrête pas de vivre et profites-en au maximum. Alors pour vous, le message est très clair, on vous invite vraiment à prendre du bon temps, du temps pour vous, à vous amuser, à rire, à sortir, à profiter de la vie, tout simplement. Voilà pour votre message, pour votre carte. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez le message « Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment, nous t'aidons ». Si tu ressens un blocage, c'est probablement parce que tu ne sais pas actuellement ce que tu veux faire. Écris toutes les possibilités ou discute des différentes options avec tes amis. La meilleure solution devrait apparaître. Tes êtres chers disent « Suis ton cœur et nous te guiderons ». Si vous avez des choix à faire, une décision à prendre, ici on vous invite vraiment à écouter plus votre cœur tout simplement. Voilà pour votre petite carte. Pour ceux qui ont choisi la carte, la dernière, la numéro 4, votre message « Garde le contrôle de la situation, nous savons que tu peux le faire ». Reste fort, tu as tout en toi pour réussir, tu as les compétences. Tes êtres chers te disent « Garde les pieds sur terre, nous sommes là pour t'aider ». Pour vous, ne vous dispersez pas, gardez confiance, gardez la foi. Contrôlez la situation, contrôlez votre vie, vous pouvez réussir, vous pouvez avancer sereinement dans la vie. Voilà pour votre petit message, pour votre petite carte. J'espère que cette présentation donc de cet oracle, message de vos êtres chers de Jackie Newcombe et ce petit tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt.